jouons pas avec l'image de Dieu. Parce que le monde attend ça. Because pour attaquer. Word, le monde attend que ça. What he put up, pour juger, pour condamner. Or nous les enfants de Dieu, c'est de protéger l'image. To protect the image of God. Parce que les gens protègent leur parti politique. Ils protègent leur nation. L'image concerne nous. Oui, en tant que croyants, en tant qu'église, nous devons protéger l'image de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide. May God help us. Et que nous fortifie. Amen. Ici c'est une école. Here is a school. De formation. Nous enseignons l'amour de Dieu. We're teaching God's love. Soyez bénis. Tu peux compter sur moi. You can trust me. Tu peux compter sur moi. Nous allons passer au témoignage. Testimony. Je crois que c'est madame ou même c'est Kabi Odile. Là, c'est bon? C'est Odile. Mon Dieu est plus fort que les fétichés. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les. Mais je suis venu à Ghana depuis 2004. Pour résumer, au cas où tu as commencé là, pour parler. Ce que Jésus a fait. Jésus a fait grand chose dans la vie de mon fils. Vous n'êtes pas tout. Vous cherchez la délivrance. C'est quand mes protégeants l'ont initié. Vous n'êtes pas tout. Mais lui, il ne voulait pas le délivrer. Il ne voulait pas la délivrance. Et quand il cache quelque chose. Wherever we go. Les fils, non? C'est toujours passé. Même étant ici. J'ai une prophétesse pendant le congé de printemps. Il a tout avoué, mais il n'était pas prêt pour être délivré. Il a fui de là-bas. La prophète nous a dit de venir chez le pasteur. Chez le prophète, souhait casse. Et c'est dans ça qu'on est arrivé ici. Quand on arrivait, ses bras, ses doigts s'étaient croisés. Et à tout moment, celui qui disait de faire le bras. Le pasteur Philippe avait sa délivrance. Mais il n'était pas total. But it was not. Non, totally. Délivré. Was not delivered. Et le prophète a dit qu'il n'est pas bien délivré. It's not well delivered. Fais sa délivrance encore. So you have to do it. One more time. Le prophète a bien dans sa bouche. The prophet saw a snake. Et c'est dans sa bouche. Il a appelé le petit bien. And he called it. Il a commandé. Tombé. When he commanded, il a été délivré. C'est pourquoi tu veux louer le Seigneur. C'est dit que vous voyez, here, il a les innocents, les inconnus. Mais nous, dans la famille, c'est maintenant, il voulait rentrer dans la famille maintenant pour nous tuer. Et on était programmé pour mars et avril. Il a tué sa grande soeur et il lui a donné sa propre chair. Et il a enlevé les yeux de son frère qui est étudiant. Et l'autre, il a tiré son sang 4 fois. Et son papa, il a gâté son travail. Il m'a séparé de mon mari, a couché avec moi et a couché avec son papa aussi. C'est une manière de nous séparer. Et toujours ces palabres. Aujourd'hui, à cause des prophètes. Non, à cause de Jésus. Jésus. Because of Jésus. Délivré, c'est pas. Délivré. Délivré. Au Seigneur. La conscience. Oh.
L'expression de la bonté de l'Éternel. En 2014, je venais ici pour la première fois. J'avais très mal à la tête et j'avais également vertige. Ce qui m'a amené à l'hôpital à maintes reprises et la solution n'a pas été. Au point que j'appelais chez moi un ami homme de Dieu qui a prié pour moi et qui me disait qu'on était déjà dans le mois de octobre-novembre 2014 et qui me dit tu es programmé, je te vois programmé à mourir le 15 décembre 2014. Ils ont prié, on a fait des mois de prière, ça n'a pas été. J'ai un autre ami qui m'a dit qu'il faut aller à Yopougon. Il y a un prophète et il m'a conduit chez le prophète. On allait, on a prié. Et le prophète m'a dit il faut faire une offrande. Pas possible qui peut toucher le cœur de Dieu. Parce qu'il voit sur ma tête des braises de feu comme un, c'est pas le fourneau à braise là. Il a prié, ça n'a pas été. J'ai fait l'offrande. Quand j'y allais, ma femme m'a dit c'est beaucoup trop, il faut diminuer. J'ai dit, mais puisque déjà le cœur a résolu, je donne, j'en ai pas 5 francs. Si j'en ai 5 francs, c'est comme ma foi qui va toucher, qui va être touchée. Je suis allé, j'ai fait l'offrande. Il a prié, il a tout dit. Le même jour, je suis rendu à la maison. Et la tête a commencé à me faire plus mal encore. J'ai pris le téléphone et j'appelle le prophète. Il était avec un pasteur au moment où il priait pour moi. Et c'est le pasteur qui prend le téléphone et qui dit,
Ils se sont laissés déjà, le prophète est allé chez lui à la maison et que lui-même il s'est rendu chez lui à Makori. Il dit, mais tu tiens le portable du pasteur, du prophète. Il dit, non, ils se sont déjà séparés. Mais je souffrais énormément. Et ma femme, elle dit, attendez, on va faire quelque chose. Alors ma femme prend son téléphone, puisqu'il ne connaît pas le numéro de ma femme. Ma femme appelle et elle dit, je veux parler au prophète. J'ai une offrande à faire. Parce qu'il a prié pour moi. Maintenant ça va, je vais lui faire une offrande. Et le gars dit, attendez, il est à côté. Attendez. Et il a remis le portable au prophète. Et elle dit au pasteur, je viens te voir, et au prophète, je viens te voir, mais ce sera le dimanche. C'était pour savoir s'ils sont encore ensemble ou bien ils se sont séparés. Je viens te voir le dimanche. Parce que le prophète a dit, mais est-ce que tu connais la même le coin de prière? Elle dit, oui, je connais là-bas, tu as pris une fois pour moi, mais ça va. Et il a dit, bon, mais je t'attends le dimanche, tu viens. Et on a coupé. On a coupé en temps. J'avais vu l'émission du prophète Crasso à la télévision. J'avais pris donc la référence. J'ai dit à ma femme, je mets pas sur Abidjan. On va aller à Divos. On est venu à Divo. We came here in Divo. C'est vrai, une femme l'a dit tout à l'heure, c'est un monsieur ou une femme. C'était difficile à voir l'homme de Dieu. It was really difficult. Au point que j'ai désespéré. To see the man of God. Et quand il m'avait reçu, il m'a dit, Dieu va faire. And when he met me, he told me, God is going to do it. Et pendant qu'on est resté là, on se logeait dans un hôtel quelque part, on est resté là. Mais il faut dire que Dieu avait le contrôle de la situation. Il y a une spécificité ici. Quand tu as ton mal, que tu arrives, que le pasteur n'a pas encore reçu, le prophète n'a pas encore reçu, il ne faut pas désespérer parce que la situation est sous contrôle. Au point que le temps que j'avais pris comme un temps d'absence au travail a commencé à s'épuiser. Et il y avait autre dépense supplémentaire que je devais faire ici. J'ai dit, alors je dis vraiment, on a commencé, il y a autre dépense encore à faire. Il dit, je vous reçois le samedi. Vous voyez, on est venu lundi. Il dit, je vous reçois le samedi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça n'a pas été le cas. Prier pour nous comme ça, ça n'a pas été le cas. On venait et c'est le pasteur qui priait. Le pasteur pour le. Alors. Le dimanche comme ça on était à l'église, donc le samedi là aussi, il n'est pas venu. Et le dimanche, maintenant on est venu au culte. Quand on est venu au culte, j'étais assis là. J'étais assis là. Et il a prié. Il a dit. Non, j'étais assis de côté. Il dit, monsieur, il prêchait, il dit, monsieur, toi vous avez appris. On t'a déjà mangé, c'est fini, on t'a bouffé. Le 15 février, alors qu'on a dit le 15 décembre, Abidjan. Il dit le 15 février, c'est fini. Et ma foi a touché. Ma foi a touché. Really il a commencé à avoir peur. Et il a commencé, il ne s'est pas occupé de moi, il a commencé à prier, à parler, à prier, à prier, à prier. Je demandais à mon cœur que Dieu lui-même le ramène encore. Vous me dites ce qui est là. And I wanted God. Et après, il m'appelle et dit, viens, monsieur, and he called me after. Je viens et me dit, mets-toi à genoux là. Say, là où on mettait une bouteille d'huile entièrement sur la tête des gens, moi, il dit, mets-toi à genoux, et c'est une petite quantité d'huile qu'il a mis sur ma tête. Quand il a mis sur ma tête, il a fait ça, il a mis. Et puis il a dit, c'est prêt. C'est-à-dire qu'on a bouffé. On a tout fini. Alors il dit, c'est fini. Je me demandais, mais est-ce que c'est fini? C'est fini, c'est fini. Vraiment, je n'avais rien à faire, je n'avais rien à donner. Je n'avais pas de faire. Et j'ai dit à la secrétaire, tu payes deux chaises. Je donne 10 000 francs pour deux chaises. Parce qu'il ne m'avait rien demandé.
Je n'ai pas payé pour me faire le bain comme les gens le faisaient. Et c'est après que j'ai acheté deux bouteilles d'huile pour la maison. Et on a consacré, le pasteur a consacré, je suis parti avec. Pour dire que le Dieu d'Israël est présent. La secrétaire m'avait dit pour finir, quand je me plaignais, je disais, mais tu ne peux pas voir l'homme d'ici, tu ne peux pas prier. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, ton cas, tonton, ton cas là, pour les cas difficiles comme ça là, c'est tellement le monsieur. Il est en train de prier. Elle dit, il est en train de prier. Alors quand il ne vient pas, c'est qu'il prie pour les cas difficiles. C'est ça. C'est ce qu'elle m'a dit, hein? C'était pas celle-là. Elle dit, quand il ne vient pas, il dit il vient pas, c'est que c'est pour les cas difficiles. Et tant là-bas, Dieu lui a montré derrière les cas, il est en train de prier. Et j'ai vu que j'étais sécurisé en étant ici. Mais quand bien même, il n'a pas encore fait la prière pour moi, j'étais sécurisé. Amen. Donc, pour dire merci à Dieu. Thank you to God. Dieu est passé par son serviteur. God là où has done it for you. Je suis allé donner 200 000, 150 000, etc. 2000, ici, il n'a pas demandé. Et nous aussi africains, là où on nous demande beaucoup d'argent, ça va, on va. Ça va, on dit à la vérité. Mais là où on ne nous demande pas l'argent, on trouve que ce n'est pas ça. Hein. Or, c'est ça. Donc j'ai fait venir des collègues à Abidjan, ils ont monté ici. Ils disent, venez là, au lieu de tourner en rond à Abidjan, vous devez venir directement là. Moi, souvent, ça me fatigue aussi. Au moment où je vais venir vous aider, j'ai autre chose à faire, spirituel. Et on ne peut pas se comprendre, souvent, les gens vont... Lili, viens. Lili. Sois béni, ouais. Il y a ma fille. Tu dis, tu viens, t'es venu. C'est une bébé, c'est qui vient en France, là, à la fin. She's living in France. Ça va? La seule bénisse me reste. Elle s'est bien occupée de moi à Paris. Took care of me when I was in Paris. Elle s'est très bien occupée de moi à Paris. Tenez, Paris. J'ai mangé dans son restaurant et très I bien. Ate in a restaurant. Elle a un témoignage, c'est vrai. She has a testimony. Elle va nous rendre encore ce témoignage. To give that testimony. Voilà. Tu nous rends ton témoignage. Your testimony. Merci, papa. Bonjour les frères et sœurs. Ça passe. Vraiment, je suis tellement émue. Ici, c'est ma maison. Really? Here is my house. Ici, j'ai eu ma guérison. J'ai été très, très, très malade. I've been very sick. À Paris. In Paris. Ouais. J'ai mon petit frère qui est décédé. Il n'était pas malade en fait. Je suis venue en vacances. Et quand je suis venue en vacances, lui et moi sortait. On est sorti un samedi. Le lundi m'appelle, il dit qu'il a mal à la tête. Je lui dis, mais peut-être que tu es un peu plus, va à l'hôpital, on va voir ta tension. Il a dit, d'accord, grand soeur, je m'en vais. Et lui-même, il a pris sa voiture, il allait à la prison. Arrivé à la prison, il m'appelle, il dit, ça ne va pas. Je dis, non, c'est sérieux. Et là, j'ai couru pour aller là-bas, arrivé là-bas, mon petit frère, je ne le reconnaissais plus. Je lui demande à quoi, il attrape la tête. En même temps, il a saigné du nez. Alors là, j'ai commencé à pleurer. Entre-temps, quand je suis arrivée de Paris, lui-même m'a emmené chez un prophète. Il m'a emmené chez un prophète, on allait prier. On allait prier le jeudi. Le lundi, mon petit frère tombe malade. Et mardi, mon petit frère. Il était même dans le coma et moi je suis allé chez le prophète. Tuesday, je vais, il dit, bon, prends l'huile, va. Le temps d'arriver, mon petit frère était mort. Before arriving there, et là, je suis perdu. À la grâce de Dieu, je l'ai enterré comme il fallait. Et je suis allé à Paris. And I went back to Paris. Or, quand j'allais à Paris comme ça, there, on m'avait déjà chargé aussi. Arrivé là-bas, j'étais malade. Really attacked. Je ne mangeais pas. Je suis dans la maison pendant 4 mois.
Je suis allé à l'hôpital. À Fou, on a fait toutes les analyses. Every kind of analysis. On dit, vous n'avez rien, allez-y. You have nothing, sinon, you vous allez prendre des microbes dans l'hôpital. But if you can go some microbes. Et j'ai dit à mes enfants, si je meurs, enterrez-moi ici. Children, if I die, you ma fille m'a appelé, maman, tu viens? Parce que j'ai un ami qui est ambassadeur quelque part là. Il dit, non, on ne peut pas laisser Liliane mourir. On va l'amener à Cuba. Et ils m'ont mis dans le vol. Dès que je suis venu, ils m'ont amené à Touba. Arrivé à Touba, au fond de la brousse de Touba, je ne voyais plus, je m'étais affaibli. Même si actuellement on me dit dors là, je ne peux pas dormir. Dans la case où on dormait, c'est avec les moutons, les poulets, tout. Je voulais ma guérison. Quand le monsieur m'a vu, il dit, ah, si Dieu le veut, tu vas y aller. Quand il a dit si Dieu le veut, j'ai dit bon d'accord. Il a dit à ma fille, tu payes des bœufs. Ma fille a payé 3 bœufs. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Moi qui n'aime pas qu'on voit mon intimité, je suis même dans le pain quand je suis même dans le pain. Et là, je suis nue. À 1 heure, il me lave. Chaque 1 heure, il peut me laver 6 fois. Répétition. Mais ça n'allait pas. 6 times. Quand il a fini, il dit bon, si Dieu le veut, ça va aller. C'est pour cette chanson, je l'aime bien. Je l'aime bien. Quand on chante ça, j'ai les frissons. C'est comme ça que je suis partie. Ma fille dit bon, maman. Comme le marabout a dit si Dieu le veut, tu vas là à Paris. Et c'est comme ça que je suis partie à Paris. We'll go back to Paris. Arrivé à Paris, ça n'allait pas. When I was there, chaque personne a son occupation là-bas. Tout le monde travaille. Yeah. Je suis seule dans la maison. I'm alone. J'ai mon dernier fils qui regardait les vidéos de papa. J'étais couché. Il est venu, il dit, maman, il y a un prophète là. J'ai vu ses merveilles. Il peut te guérir. Il peut te guérir. Quand mon fils a dit ça, when he said it, sincèrement devant Dieu, je dis à mon fils, je suis fatigué. I said to my kids, non, I'm really tired. Mon fils me dit, non, maman, moi je vais appeler le prophète. No. Et c'est comme ça, mon fils, il a appelé le prophète. Quand il a appelé le prophète, j'étais vraiment affaibli. Affaibli, vraiment. Weak. Tout mon dos était devenu plein. J'étais vraiment affaibli. Donc le prophète a dit, mets ta maman sur la cam. Est-ce que je peux voir ta maman? On dit, il n'y a pas de problème. Mon fils m'a mis sur la cam. Donc quand mon fils m'a mis sur la cam, quand papa m'a vu, when he saw me, il m'a regardé, il a prié. Il dit à mon fils, appelle-moi dans 2 jours. Call me in 2 days. After 2 days. Quand mon fils a rapproché papa, j'ai dit à mon fils, ça veut dire que je suis mort. J'ai plus d'espoir. J'étais désespéré. Et effectivement, ce que Dieu m'avait dit qu'elle était morte. Maintenant, il fallait aller discuter avec Dieu. That. Voilà, pour lui dire non, je veux que cette femme retrouve la vie. Et c'est ce que je suis allé dire à Dieu. Dieu est fort. Papa dit, je vais prier pour votre maman après 2 jours. Papa dit, je vais prier pour votre maman. Votre maman est déjà guérie dans le nom de Jésus. Papa a dit ça, j'ai eu l'espoir. Je dis, Dieu m'a guéri. Papa dit, mettre la bouillie au feu. Moi, je ne mangeais pas, parce que j'avais eu des plaies dans la bouche partout. Forcez-lui à manger la bouillie là. J'ai ma fille de 15 ans, elle a fait la bouillie, et puis elle me mettait ça dans la bouche comme un bébé. Et papa était sur la cam, hein. Papa la regardait, et à chaque minute, papa appelait pour voir comment ça allait. The prophet called just to see how I was feeling. C'est comme ça, papa. Il dit non, ça ne peut pas s'arrêter là. But le problème même est jusqu'au village.
The problem is in your village. Il faut que je parte au village croiser ton père. Parce qu'il a la base de ta maladie. And meet your father because he's responsible of your sickness. En ce moment, j'ai ma fille qui a déporté toute la famille ici. Arrivée ici, c'était pas là. My daughter brought my Papa les a tous ramenés. Vous ne me forcez pas. Moi, je suis l'homme de Dieu. C'est là où Dieu me dirige, je m'en vais. I will go away because God wants me to. En temps, ils avaient déjà appelé le village pour dire le prophète devait arriver là-bas. Oh, le prophète n'est pas parti. But the prophet was about to go in the village. Un soir, papa dit, demain matin. Ils sont venus, tout le village. Pourquoi me prennent le même jour, m'envoyer? J'ai dit non, moi je ne marche pas en fonction de votre rythme. Je laisse l'Esprit de Dieu me diriger. Mais j'irai dire au vieux de laisser sa fille. Et c'est ce que j'ai fait après. C'est comme ça, papa est parti. Papa est arrivé au village. En temps, papa était à l'église. Moi, mon père. Ce jour-là, il a à l'église. Et papa est arrivé. Papa demande, on dit, il est parti à l'église. Donc quand il est quitté de son église, il a trouvé papa là. Quand il a vu papa, the prophets at home, papa demande les nouvelles. Papa dit non, moi je suis venu pour qu'on prie pour ta fille. I just came to, papa dit mon père dit au prophète, je ne suis pas sorcier. Il dit ce j'ai parlé de la sorcellerie. I'm not a sorcerer. Je dis toi, ta fille est en train de souffrir en Europe. On va prier, c'est pour cela que je suis venu. So we're here to pray for that. Papa dit, il n'y a pas de problème compris. En temps, la famille était divisée. Ils ont traité de tout. Ils ont traité de tout. Mais le Dieu qui est là, il est fort. Le Dieu. Aujourd'hui, nous avons la victoire. Non, mais j'ai dit à ton père, d'ici 2 mois. Si papa, je viens, j'arrive. Quand papa a fini de prier, papa envoie la maison et papa verse l'huile sur papa. Tout le monde en dit non. Pourquoi papa a versé l'huile seulement? Pourquoi n'a pas attrapé? Le père. Le père. Mon père. Le père. Mon père. Voilà. Pardon? Le prophète. Si c'est pas lui, si c'est pas votre papa, vous allez voir. La famille a dit, oh le prophète a dit qu'est-ce qu'il a fait. Il n'a rien fait, votre prophète, qu'est-ce qu'il a fait. What did he do? Your prophet. Dieu qui est là. Nothing. Quand il veut combattre pour toi, il le fait propre. God can even fight for you if he wants. J'ai eu confiance en mon Dieu. I trust my God. Non, papa a fini. Papa, on est venu. And after le prophète a fini. Ce qu'il voulait faire, after il a the fini. Praying in my village, et nous sommes venus. Ils sont tous montés dans le car, ils sont venus. 2 mois. 2 months. 1 mois, 3 semaines. Month, mon père se déshabille. Il dit non. C'est moi qui ai tué mes 3 enfants, parce qu'en 6 mois, il a tué 2. And he started confessing. En 6 mois encore, il a tué ses 3 sœurs. Entre, quand il tue, c'est 6 mois d'intervalle. Voilà. Papa a commencé à pisser sur lui. Confessing. Papa a commencé à faire caca sur lui. Papa a commencé à faire. Ils l'ont pris au village. Ils sont they venus. Him from the village. Mes soeurs qui sont en Europe, my qui a traité le prophète de tout, traité le prophète. Elle m'appelle. Entendant mon papa même, il dit lui, ton prophète que tu as emmené là, c'est lui, moi je veux voir. I want to see your prophet at home. On lui demande, tu veux faire quoi? Il dit non, je veux voir le prophète parce que je I veux want to see the prophet parler. Because I want to speak. Je dis mais. I want to talk. Ils m'ont dit, j'ai dit, il n'est pas sorcier. Il va dire quoi au prophète? Le prophète, oh, on dit rien au prophète. Is he going to say to the pendant prophet? 2 mois, puisque moi j'appelle le prophète, je lui fais le point. Pendant 2 mois, mes soeurs m'ont appelé. My sisters called me. Liliane, on te demande pardon. We're asking you, le cas de papa, on ne comprend plus rien. Voilà. We don't understand the case of. Moi j'ai appelé le prophète. Papa. Le prophète dit, ils sont d'accord que je délivre les papas. To the prophets. Parce qu'ils m'ont traité de tout, moi je ne veux pas.
Je dis, papa, on a gagné le combat. Puisque lui-même l'a reconnu qu'il veut venir chez toi, on va accepter. Quand il est venu, il a passé aux aveux. Ici même. Ici. C'est moi qui ai tué mon fils. Il était à la cité de l'homme. C'est lui qui a tué ma petite soeur. My dear sister. Qui était institutrice. Il a tué maintenant lui-même ses trois soeurs. Donc c'est moi maintenant. Et puis entre mon frère et moi, moi, ça faisait 6 mois maintenant, ça n'allait pas chez moi. C'est moi, il allait tuer maintenant. And I was the one. Mais quand papa dit, du soukouya empoisonné, j'étais le soukouya empoisonné de mon père. Amen. Là où je parle, mon père, il est fou. Il mange dans la poubelle. Il pisse partout. Moi, maintenant, je suis venu deux fois, j'ai eu pitié. I had pity for my father. J'ai eu pitié de lui. Mais je crois que ce qu'il a sémé, il a fait le côté. Je rate. Gloire à Dieu. Mon Seigneur Jésus, il est bon. Jesus bon. Is good. Si tu as Jésus en toi, if you have Jesus, oui. Sans le prophète, je ne vivais pas. Avec ses prières, il m'a beaucoup aidé. He helped me so much. Beaucoup. His prayers. Il ne m'a rien pris, hein? Rien. He didn't take. Il m'a pas pris des bœufs, hein? Il ne m'a rien pris. C'est sans prière. C'est Jésus qui m'a guéri. C'est cela. J'aime bien la chanson. Quand on la chante, je danse à chaque fois. Je me lève. Mon Dieu est plus fort que les mamans. Il m'a dit que si Dieu le veut. Je vais faire pleurer sa mère. Tu veux faire pleurer ta mère. Sa mère va pleurer. Et pourquoi? Wish. Pourquoi? Wish. Pourquoi? Wish. Pourquoi? Wish. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Elle doit pleurer sa mère. Sa mère doit pleurer. Et pourquoi? Pourquoi celle qui profite de ses enfants? Pourquoi elle profite de ses enfants? Qui es-tu? On a acheté sa mère. Vous avez acheté sa mère? Oui. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment vous avez acheté elle sa mère? Elle vous échappe à chaque fois, dit, cette fille! Elle vous échappe! Elle vous échappe à quoi? Je sais pas qu'elle est pas là, la sûre! Vous voulez la tuer? Oui, par accident au volant! Par accident. Elle va mourir au volant! Et quand? Elle vient d'échapper! Et c'est quand? C'était prévu pour quand l'accident? L'accident était prévu pour quand? C'était prévu pour quand?
Le jour de son anniversaire. C'était quand l'anniversaire? Le 15 décembre. Le 15 décembre. Je vais l'enlever une voiture. C'est avant le 15. Avant le 15. Vous allez la tuer. Avant le 15. Elle est amoureuse le 15 décembre. Elle a la voiture avant le 15 décembre. Oui. Ouh. Vous avez programmé la mort. Ouh. Vous avez programmé vous la mort. Vous me l'avez raté. Vous me l'avez arraché. Ouh. Lâche-la. Ah. Ah. Elle va mourir. Comment? Hey. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. J'ai pris sa frère, ça ne me suffit pas. Lâche-la. C'est d'être que j'ai pris. C'est d'être que j'ai pris. Oui, tu vas la lâcher. Je ne veux pas. Si. Je ne veux pas. Si. Tu as qui? Si. Tu as qui? Au nom de Jésus. Tu as qui? Au nom de Jésus. Lâche-la. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Au nom de Jésus. Elle m'appartient. Si, tu vas la lâcher. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Non. Si, lâche-la. Non. Le feu. 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 Lâche-la. Lâche-la. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, tu vas la libérer. Lâche. Lâche-la toute sa vie. Tu la libères au nom de Jésus. Tu libères toute sa vie. Il n'y a rien de choses, ça ne discute pas. Ça ne discute pas. Mon fils aîné. Lâche sa vie et tous les membres de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Libre. Lâche-la. Lâche-la. Libre-le. C'est un ordre. Au nom de Jésus. In Jesus name. Fais. Allez, go, allez, au nom de Jésus. Go, go, allez, go, allez, go, allez, go, allez, go, allez, go, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, 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 lâche, lâche là, lâche là, lâche là, au nom de Jésus. Allez, libère-la, release, feu, allez, feu, feu, le feu, le feu. Lâche définitivement sa vie. Touche plus à son art. Touche plus à sa vie. La mort est déprogrammée. J'ai accusé sa mère. J'ai accusé sa mère pour qu'elle la rejette. J'ai accusé sa mère pour qu'elle la rejette. Pour que sa mère meure toute malheureuse. Qui es-tu? Toi. Qui es-tu? Who are you? 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 Depuis quand tu tiens cette vie? Depuis quand tu la tiens? Ouais. Depuis quand tu la tiens? Depuis le sein de sa mère. On a vu son étoile briller. Vous avez vu son étoile briller. Et vous voulez la détruire. Sa place n'est pas ici. Sa place n'est pas ici. Et sa place était où? Sa place est où? Elle est milliardaire. Et vous avez détruit sa vie. Elle est milliardaire. Mais malgré ça, il y a quelqu'un qui l'aimait quand même. Mais nous sommes rentrés au sein de son foyer. Vous détruisez son foyer. Elle, son mari ne lui dit plus rien. Elle ne va plus son mari avec un homme. C'est vous qui avez fait ça. Même ses enfants. Et c'est vous qui avez fait ça? Oui, parce qu'elle doit mourir. Elle doit mourir. C'est ça? Et à chaque fois. Oui. À chaque fois. Oui. À chaque fois. Oui. On lui prend ses frères qui lui sont plus proches. Oui. Pour la battre. Oui. Même arrive dans les à se remettre. Ok. Oh, mais cette fois-ci, il n'y a plus rien. C'est son fils qui est attaché à elle. Oui. Ou sa mère qui est attachée à elle. Oui. Si vous voulez. Je la libère, je prends son fils aîné non, ou sa ne mère. Touchera plus ni elle sera touchée. Ni son fils, ni un membre de sa famille. Ni un membre de sa famille. C'est fini ça. Ton règne prend fin aujourd'hui même. Tu ne touches plus à sa vie. À un parent. Et tu libères définitivement sa vie. Au nom de Jésus. Allez, attends. Go. Le feu. Allez, feu. Go. Son village maternel. Allez, comment? Son village maternel. Je m'en fous. Lâche-la. Lâche-la. C'est ce qui m'intéresse. Lâche-la. Lâche-la, allez. Release. Allez, go. Va. Go. Maintenant.
Allez, libère-la. 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 Pardon. Le feu. 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 Come on, allez. Come on. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère sa vie. Vous restituez tout ce que vous l'avez volé. Vous ramenez tout ce que vous l'avez volé. Au nom de Jésus. Vous ramenez tout ce que vous avez volé. Au nom de Jésus. Vous ramenez tout ce que vous avez volé. Au nom de Jésus-Christ. Et vous quittez définitivement sa vie. Voilà, au nom de Jésus. Les liens sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, je proclame sa délivrance. Je proclame sa délivrance. Je proclame sa délivrance. Je brise. Je brise. Je brise. Je proclame ta délivrance. Maintenant, je t'établis dans tous tes droits. Je t'établis dans tous tes droits. Spirituel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton étoile commence à briller, ton étoile va commencer à briller, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâche-la, Lâche-la. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Libérez sa tête. Je proclame ta délivrance maintenant. Je proclame ta délivrance. Et maintenant, au nom de Jésus. 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 Come on! Lâchez sa tête. Au nom de Jésus. Lâchez sa tête. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. La puissance des libères. Come on! Allez, go! Lâchez-la. Release. Lâchez-la. Release. Au nom de Jésus. In Jesus' name. 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 La puissance des libères. Power release. Sa puissance. Sa puissance. Power libère. Sa puissance. Jésus-Christ te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Mon œil droit, ma tête. Jésus te délivre. Come on. Allez. La puissance de Jésus. The power te libère. Sa puissance te libère. His power. 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 Reçois ta délivrance. Receive. Reçois. Receive. La délivrance. Your deliverance. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. La puissance de Jésus. The power te délivre. Receive. Reçois ta délivrance. Receive your deliverance. La puissance de Dieu te libère. Power of God delivers you. Sa puissance te libère. His power release. Maintenant même. Right now. Je libère ton âme. I release your soul. Je libère ton esprit. I release your Je libère spirit. Tout ton être. La puissance qui est dans le sang de l'agneau. Your whole body. But je proclame ta délivrance. I claim your deliverance. Come on, allez! I command! Lâche-la! Release him. Tu libères son âme. You release your soul. Et tu libères toute sa vie. And you release your life. Lâche toute sa vie. Release your life. Lâche toute sa vie. Release your La puissance life. De Dieu te libère. The power of God. La puissance de Dieu. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Ah, Seigneur. Je n'ai ni d'autre que toi.
Dans sa vie, tout. Ah bon. Depuis quand est ta femme? Depuis toujours. Oui. Elle n'est pas heureuse ici. Lâche-la. Tu vas quitter sa vie. Non, tu vas quitter sa vie. Au nom de Jésus. Non, tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Feu! Lâche-la. Feu! J'ai détruit ton pouvoir. Lâche-la. Quitte sa vie au nom de Jésus. Lâche sa vie au nom de Jésus. J'ai détruit ton pouvoir. Tu vas la libérer. Je prononce le divorce. Le divorce spirituel. Je prononce le divorce. Et tu lâches l'infinité dans sa vie, dans le nom de Jésus. Tu quittes sa vie. Allez, va-t'en. Va. Non, Jésus. Allez, va. Allez, feu. Nom de Jésus. Lâche-la. Fais-toi aller. Tu vas la lâcher. C'est un homme, tu vas la lâcher. Au nom de Jésus, sois. Je te commande de lâcher sa vie. Va, allez. Lâche sa vie. Je te commande. Allez, va-t'en. Allez, va. Est-ce qu'on peut proclamer le Seigneur? Plus jamais le Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci.
de ta main. Jésus, t'accorde la délivrance ce jour. Sa puissance te libère. Dieu est Félix, allez, feu. Lâche-la. Feu. Come on. Allez, come in. Allez. Go. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Feu. Allez, come in. Come on. Allez, allez, come in. Feu. Fire. Fire. Allez, fire. Come on. Allez, fire. Feu. Fire. Fire. Allez, fire. Come on. Allez, come in. Come on. Allez, come in. Feu. Fire. Feu. Fire. Puissance de Jésus. The power of Jesus. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Lâche-la. Allez. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Au nom de Jésus. In Jesus' name. La puissance de Dieu. The power of God. Vous lâchez sa vie. Au nom de Jésus.
Vous libérez, c'est bien. Vous libérez son âme. Vous libérez toute sa vie. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. Amen. Sa puissance se délivre. Sa puissance se délivre. Sa puissance. Sa puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Les chaînes de l'esclavage spirituel. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes de la maladie. Je brise les chaînes de la pauvreté. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis la maladie. Avant-toi. Reçois ton miracle. Les chaînes de la pauvreté, de la misère, le pouvoir de la sorcellerie. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Maintenant, reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Feu, la puissance de Dieu te délivre. Reçois ton miracle. Reçois. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Jésus te touche. La puissance de Dieu te touche. Là où tu as été, Dieu guérit ton grand malade. Dieu vous guérit maintenant. Recevez une onction spéciale. Les délivrances. Je fais tomber les chaînes. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. On attend encore le roi des rois. On attend le Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus? N'attendez pas! Alléluia! Alléluia! Yeah! Voilà, les services doivent rapidement amener les chers.